Monsieur le sénateur, monsieur le représentant de la députée, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs, il y a 79 ans, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le conflit en Europe prenait fin. Le fascisme hitlérien était vaincu, mais la Seconde Guerre mondiale n'allait cesser qu'après la capitulation, le 2 septembre 1945, des armées japonaises. 1945. Cinq années après la débâcle de 1940. Cinq années après l'appel du général de Gaulle qui demandait aux Français de résister. Cinq années de guerre, de souffrance, d'horreur. Le 8 mai 1945, l'Aliès, après la victoire, a rapidement fait place à la tristesse face à tant de morts, tant de pertes, tant de dévastation, puis la désolation au retour des déportés, quand on découvrit l'ampleur de la barbarie nazie. Honorons la mémoire de toutes celles et ceux qui ont été victimes de la Seconde Guerre mondiale, et n'oublions pas les nombreuses victimes civiles et martyrs des camps de concentration et d'extermination. Rendons hommage aux soldats, aux résistants de tous les pays qui ont lutté contre l'oppression nazie. Honorons leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Cette année, nous célébrons en août prochain les 80 ans de la libération de Douarnenez. Mais il faudra encore lutter pendant plusieurs mois pour libérer amplement le pays. La construction de l'Europe des nations a ouvert cette voie pour la paix dans nos pays. Mais en ce jour anniversaire, nous nous remémorons les déchirures qu'a connues notre continent. Et nous réalisons la valeur de la paix. Plus encore aujourd'hui, alors que la guerre frappe en Ukraine et nous rappelle comment la folie d'un homme peut entraîner des hommes à tuer leurs propres frères. Nous ne sommes pas à l'abri des dictateurs qui, pour assouvir leur soif de puissance, terrifient leur propre peuple, poussent des innocents à l'exode et tuent des femmes, des hommes et des enfants. Ils menacent ce que nous avons de plus cher, de plus précieux, la paix et la liberté, si chèrement conquises par le courage de ceux qui nous ont précédés. Ne les oublions pas. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations unies et c'est la victoire de la France. » Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général de Lattre de Tassigny, qu'il a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat de cette résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements.
En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes et désormais retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe nous rappellent que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre avec elle le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République, vive la France. Ouvrez le banc. Discours radio diffusé de la déclaration du général de Gaulle en date du 8 mai 1945. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire vont, une fois de plus, resplendir au drapeau, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour leur service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues. Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. À leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté, honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous. Vive la France! Ordre du jour numéro 9.
officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi, partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée Delatte de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Mirales, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là. Et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Ouradour-sur-Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveau. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Izieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés par les plages de Normandie et de Provence, après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut.
Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant, ou les bombardements de l'invasion et de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et des camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace et de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence, et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, allaient former un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris par les armes et par le sang versé que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite, non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de France libre et de la résistance, comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée pour toujours. Elle nous anime. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Thank you.
entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. La misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.